Bonjour à tous, bienvenue pour ce premier webinaire du cycle InnovPy, organisé en partenariat par Envirobad BDM et APAV, avec le soutien de l'ADEME. Je me présente, je suis Nicolas Guignard, responsable du pôle réseau formation au sein d'Envirobad BDM. Pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, Envirobad BDM est une association professionnelle de la construction durable en région PACA. Cette action est menée dans le cadre de notre groupe Fibraterra, qui vise à accompagner le développement des filières de matériaux bio et géosourcés. La paille fait partie des matériaux biosourcés qui nous semblent les plus prometteurs, qui disposent de gisements très importants en France. C'est un matériau performant dont l'usage est encadré par les règles professionnelles. Et depuis plusieurs années, le nombre de projets utilisant la paille est en augmentation, avec désormais des établissements recevant du public comme des mairies, des écoles, des collèges ou des lycées qui sont toujours plus ambitieux un peu partout sur le territoire. L'objectif de ce cycle de webinaire est de mettre en avant des projets qui recourent à des mises en œuvre qui vont au-delà des règles pro-paille et de voir notamment comment cela a été rendu possible grâce au rôle joué par le bureau de contrôle. Alors pour inaugurer ce cycle de webinaire, nous allons présenter aujourd'hui le projet du centre de loisirs Jacques Chirac à Rosny-sous-Bois. C'est un projet qui a été livré en 2019 en R+1 en paille porteuse. C'est un bâtiment très ambitieux qui a obtenu le niveau or de la démarche BDF, bâtiment durable francilien, et qui a obtenu 95 points sur 100 en phase réalisation. Alors pour nous parler de ce projet, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Charlotte Picard, architecte au sein de la ville de Rosny-sous-Bois, et également Laurent Dandre, contrôleur technique sur ce projet, donc qui travaille au sein de l'APA. Charlotte et Laurent, je vous laisse peut-être vous présenter un petit peu plus en détail. Très bien, bonjour, donc Charlotte Picard, architecte au sein de la direction recherche et innovation de la mairie de Rosny-sous-Bois. Donc nous sommes une direction qui fait de la maîtrise d'œuvre, mais je parlerai aussi aujourd'hui au nom de la maîtrise d'ouvrage pour expliquer pourquoi nous avons choisi de nous lancer dans la construction paille. Bonjour, bonjour. Donc Laurent Dandre, moi je suis contrôleur technique à la PAV et je suis spécialisé dans les matériaux biosourcés, géosourcés et donc référent national technique pour ces matériaux et ce type de construction. Et donc, j'ai suivi à ce titre-là la mission de contrôle technique sur l'opération du centre de loisirs. Alors, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Pourquoi la paille? Pourquoi la mairie de Rosny-sous-Bois s'est lancée dans la construction de paille? Commencé il y a déjà quelques années, puisqu'on a livré notre premier bâtiment avec la paille Charlotte. En isolant en 2014. On a poursuivi avec un... Oui? Oui, excuse-moi Charlotte, je ne sais que pas si c'est que chez moi, mais le son coupe un petit peu. Peut-être je vous invite à couper votre caméra. Ok. Merci. J'espère que ça va mieux se passer. Je ne suis pas dans une zone qui est très bien couverte par Internet. Ça a l'air mieux. Ça a l'air mieux. Oui. Très bien. Donc, on a utilisé la paille donc, depuis quelques années. Pourquoi ce choix? Notre direction recherche et innovation travaille, une de ses missions principales, c'est de travailler sur la résilience de la ville. Et comme notre terrain d'expérimentation, c'est la construction de bâtiments, on se questionne tous les jours sur comment construire en impactant le moins possible notre environnement. C'est un questionnement sans fin et surtout presque perdu d'avance parce que dès que j'arrive au bureau et que j'allume l'ordinateur, j'ai consommé une énergie que je ne sais pas remplacer immédiatement. Donc dans la construction de bâtiments, l'utilisation de paille nous paraît tout à fait pertinente parce que c'est un matériau qui pousse tous les ans, qui pousse aussi en Île-de-France ou relativement proche de l'Île-de-France. Et nous nous déplaçons dans les champs pour vérifier aussi comment la paille pousse. Ça nous intéresse énormément aussi de vérifier que les écosystèmes où nous prélevons nos matières pour construire sont eux aussi durables et que, par exemple, on n'utilise pas de pesticides ou d'engrais. Donc, on va se diriger vers l'utilisation de la paille bio systématiquement.
Je ne sais pas si Laurent, tu veux rajouter quelque chose sur l'utilisation, ton intérêt pour les biosourcés. Alors oui, mon intérêt pour les matériaux biosourcés, c'est un petit peu le même que le tien, c'est-à-dire de réduire mon impact sur l'environnement. Et en fait, je me suis posé la question, éteindre le robinet quand l'eau coule en se lavant les dents, c'est une chose, mais comment faire plus et surtout comment lier mon activité professionnelle avec ce souci de préserver l'environnement. Et donc, je me suis spécialisé là-dedans et c'est pour ça que la paille, d'ailleurs, c'est un des plus avancés, on va dire, des matériaux biosourcés, puisque on va le voir un petit peu plus tard, mais la technique est assez ancienne. Dès que les botteleuses ont commencé à exister, s'est posé la question de construire en bottes de paille. On a l'illustration dans le Nebraska aux États-Unis, donc les grandes plaines avec des constructions en bottes de paille. En France, on a la maison Feuillette, dont on a fêté le centenaire, dont on fête le centenaire cette année, qui se trouve à Montargis. Des règles professionnelles, donc au départ, on avait les compagnons qui ont travaillé à l'élaboration de règles professionnelles qui sont sortis et qui ont été acceptés en 2012 par la C2P, on en reparlera tout à l'heure. Donc la paille est un bon matériau pour construire et préserver l'environnement. Et on va voir que le choix a été fait en fait de passer sur de la paille porteuse. Donc si on revient sur la diapo précédente. Ah pardon. Bon, on voit que sur cette diapositive, on a pas d'ossature bois et que les bottes de paille sont en fait assemblées comme des briques et portent la charpente et la couverture. En fait, les règles professionnelles ont été rédigées et acceptées par la C2P en 2012, ce qui les fait rentrer dans les techniques courantes. Et c'est là qu'on a un tableau intéressant qui illustre la différence entre les techniques courantes et les techniques non courantes. Donc, c'est la C2P, la Commission Prévention Produits, délimite les techniques courantes et non courantes, et du coup l'assurabilité du projet. Donc dans les techniques courantes, on retrouve tout ce qui est TTU, règles professionnelles acceptées par la C2P, avis technique, etc. Et ensuite, on a le domaine des techniques non courantes, donc c'est tout ce qui sort des techniques non courantes. Mais ça ne veut pas dire que on est sans aucun recours, puisque il existe des référentiels. Je ne sais pas si je pense à la construction en terre crue, par exemple. Il existe des règles de bonne pratique. Il existe tout un tas de documents à disposition qui sont finalement l'héritage des projets qui ont été réalisés. Donc, il faut se servir de ces documents qui peuvent nous aider qui peuvent nous aider à apprécier le risque. En fait, la mission du contrôleur technique, il y a deux problématiques qui sont au niveau de la solidité de se prononcer sur la prévention des aléas techniques et donc à partir d'une analyse du risque, de se prononcer sur l'ouvrage et sa pérennité. Pour la mission solidité, c'est le clos et le couvert. Finalement, les techniques courantes nous permettent d'asseoir notre analyse de risque sur des documents. Si vous voulez, c'est des textes qui ont été rédigés par nos pairs et qui ont déjà finalement fait l'objet de... c'est l'historique de l'analyse de risque. Alors qu'en technique non courante, parfois, on est un petit peu dépourvu de référentiel. Donc, on est obligé d'aller plus loin dans l'analyse de risque et vraiment d'adapter notre analyse de risque au projet en particulier. Alors, Charlotte, tu peux peut-être expliquer pourquoi vous avez fait le choix de sortir des techniques courantes. À vrai dire, on est
tellement poussé donc par ce challenge de trouver à construire en ayant la main la plus légère sur l'environnement et que les choix des biosourcés s'imposent évidemment par rapport à d'autres techniques courantes. L'utilisation, on va dire, du bois en structure est très intéressante, mais néanmoins, les ressources d'Île-de-France, que ce soit la ressource, le matériau brut et la filière de transformation, n'est peut-être pas encore assez bien structurée. Et puis le bois, surtout, ça met beaucoup de temps à pousser. Donc, la paille s'est imposée, on va dire, d'elle-même. Et la paille porteuse, bah, pour économiser du bois, en fait, d'une certaine manière, pour réserver le bois là où vraiment on ne pouvait pas faire autrement. Et puis, bien sûr, dès qu'on prend cette décision, on en parle depuis 2016, par exemple, pour le centre de loisirs, dès la conception, dès la... l'idée, on va dire, on va tout de suite se mettre en contact avec plusieurs bureaux de contrôle et puis finalement c'est avec l'APAV qu'on a commencé à travailler avec Laurent. Il est important dès le début, justement quand on s'embarque sur des techniques non courantes, d'échanger le plus en amont pour balayer justement ben voilà, qu'est-ce qu'il va falloir prouver, montrer pour que ça se fasse et pour que ça se fasse dans de bonnes conditions. Je vais revenir juste un instant sur le contexte du projet avant de nous plonger dans les détails de la paille porteuse. Donc, on est à Rosny-sous-Bois, une commune de Seine-Saint-Denis, deuxième couronne autour de Paris, dans un environnement, comme vous le voyez là, on est à proximité du RER, d'un grand centre commercial régional, un quartier d'habitation des années 60, beaucoup de bâtiments, là on est entouré de passoires thermiques, et on pose ce bâtiment dans un groupe scolaire existant. On n'avait pas tellement le choix de l'emplacement, l'espace était restreint, mais néanmoins suffisamment grand pour se dire on peut faire de la paille porteuse, faire des murs qui ont quasiment un mètre d'épaisseur. Ça tenait, on va dire, dans le contexte. C'est un centre de loisirs de 1000 m² de surface de plancher qui peut accueillir jusqu'à 180 enfants. Tout de suite, j'ai envie de dire, dès que l'idée s'est lancée, alors nous, technique non courante ou courante, on va dire, rien ne nous fait peur à la base. On sait que déjà l'équipe est constituée d'architectes et d'ingénieurs, donc nous avons en interne des ressources précieuses, dont Yannick Robert qui est aussi présent aujourd'hui, qui pourra peut-être répondre à certaines questions. On a donc des ingénieurs spécialisés en bois, en paille, aussi en fluide, et on échange constamment en fait, hein, dès la première idée. Et notamment pour la paille porteuse, on avait quand même fait un petit test en rez-de-chaussée sur une école précédente, la maternelle des Boutours. Là, il n'y avait pas beaucoup d'enjeux parce que c'était justement en rez-de-chaussée. On n'avait pas ce problème de paille porteuse sur plusieurs niveaux avec l'accueil d'enfants à l'étage. Ce petit test s'étant bien passé, on s'est relancé donc pour le centre de loisirs en R+1, pour lequel il n'y avait quand même pas le choix. Il fallait réaliser un test de structure au feu. Pour la stabilité au feu due à notre catégorie était d'une demi-heure. Donc, on va dire, on était à peine en train de dessiner le bâtiment, qu'on a mis en place des petits pré-tests pour déterminer dans la composition de notre mur en paille porteuse tous les éléments qui pouvaient varier pour trouver la meilleure combinaison possible. Donc, cette image montre à la fois les tests sur les enduits qui allaient protéger la paille à l'intérieur, à l'extérieur, et les tests qu'on a menés aussi sur les liens pour botteler finalement les bottes de paille et ou aussi pour leur compression. On était toujours en échange avec Laurent qui suivait ce qu'on préparait. Pour le test au feu, on a de la même manière consulté plusieurs laboratoires et c'est celui du CERIB qui a été sélectionné, donc le centre d'essai et de recherche des industriels du béton, ce qui est assez amusant à noter. Ils nous ont accueillis assez chaleureusement, ma foi, même si on sortait carrément, je pense, des essais qu'ils font traditionnellement. Ça a pris un certain temps parce que leur système n'était pas adapté pour faire des tests sur des murs en bottes de paille. Il a fallu construire un cadre sur mesure, adapter leur four Prométhée.
Et cette illustration montre en fait toutes les étapes pour pouvoir faire l'essai. Donc de la mise en place du mur, de sa première compression où on applique les charges telles qu'elles ont été calculées pour le bâtiment, on enduit ce mur une fois que cette première compression a eu lieu et ensuite on fait le test au feu. Laurence, pareil, si tu veux donner d'autres précisions jusqu'à cette étape-là. Je te laisse avancer sur le test au feu, je reviendrai ensuite sur l'aspect solidité. Ok. Je laisse avancer sur le test au feu. Là, on se trouve donc aux séries. Vous voyez en bas à gauche le montage du mur en paille. En haut à gauche toujours, la première compression où on applique la charge. La paille flue, la paille se compresse. Alors si on ne fait rien de particulier, ça met un certain temps. Et dans notre cas, pour pouvoir construire en étage, il faut que le mur soit compressé et atteigne, on va dire, sa hauteur finale assez rapidement. Alors assez rapidement, on reviendra là-dessus. Ensuite, donc le mur enduit avec tous les capteurs le jour du test. C'est la photo en haut à droite. Le centre de contrôle en bas à droite où on voit le feu qui est à l'intérieur du four et donc qui expose une des parois à un feu qui est tout à fait normé. Et la petite anecdote, alors là le téléphone a été photographié au bout de 1h32 et ma foi on s'est arrêté à 2h parce que il était temps d'aller manger quoi. On pouvait pas rester indéfiniment à faire brûler ce mur, donc notre stabilité au feu d'une demi-heure, voilà, sans problème. On est allé bien au-delà. Voilà, à comparer, enfin à compléter par un autre essai qui a été fait sur les murs paille conformes aux règles professionnelles, qui eux également atteignent le REI 120. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est sur la mise en compression. Là, j'ai, en tant que bureau de contrôle, c'était ma crainte, c'était le comportement dans le temps et m'assurer que la compression soit pas, n'évolue pas dans le temps. Donc, on voit en fait, et c'est là où j'ai posé beaucoup de questions à l'ingénieur de l'équipe, Yannick Robert, qui est présent dans l'Assemblée, pour qu'il me justifie justement donc, par le calcul les charges apportées sur le mur. Et donc, naturellement, sur le mur du rez-de-chaussée, on va reprendre le poids du plancher, au-dessus du rez-de-chaussée, deux, le poids du mur du R plus 1 et le poids de la couverture qui vient fermer le bâtiment. Et donc, la compression dans les murs est différente selon qu'on est au rez-de-chaussée ou R plus 1, naturellement. Et cette compression, elle est assurée par des sangles dont la tension est en fait donc calculée pour que quand on est chargé au maximum, on n'ait pas de décompression de ces sangles, qu'on soit toujours supérieur à la charge, y compris sur charge d'exploitation. Donc, il y a tous les cas qui sont à étudier. Là, il y a eu un joli travail de fait. Et donc, je crois que c'est sur la diapositive d'après où on voit le test qu'on a réalisé. Puisque oh là là, pardon, c'est parti un peu vite. On y était, juste après. Ah. Voilà. Et donc, ouais. La problématique, c'était comment ça va se comporter et à la mise en œuvre, comment ça va se passer. Et donc, on a fait un prototype échelle 1-1. Donc, on voit qu'on est sur des grosses bottes hein, de paille. Je n'ai pas précisé, effectivement. De 36. On est sur des bottes matelas, comme on dit, qui ont une section de 50 par 80 cm. Et en longueur, selon notre demande à l'agriculteur, entre 1,20 m et 2 m de long. Voilà. Donc, on a un calpinage intégral du bâtiment qui a été réalisé. Et ici, on voit en pied un caisson lisse de répartition qui va être posé sur les soubassements. Et en tête, donc, on a le plancher intermédiaire où c'est la même chose à l'étage supérieur avec la couverture et donc c'est transposable évidemment. Et on a ensuite mis en charge ce prototype. On s'est rendu compte que si on le chargeait trop rapidement, il y avait une déformation de la paille, enfin du mur,
comme un flambant en fait. Donc il faut progressivement mettre en charge la pré-contrainte. On a pu ensuite le laisser plusieurs jours, hein, semaines, pour Oui. s'assurer de la non-évolution suite à la pré-contrainte, de la non-évolution, de la non-déformation du prototype dans le temps. Et donc que les sangles gardent bien leur contrainte, leur tension dans le temps. Tout à fait. Voilà pour l'aspect mise en charge. Et donc on se rend compte que cet essai, il était primordial de le faire, puisqu'on est, c'est ce qui nous a permis en fait de valider une technique non courante. Sans cet essai, on n'aurait pas pu, enfin moi, j'aurais pas pu en tant que contrôleur technique donner mon avis, un avis favorable à la technique choisie. Bon, sachant que c'était pas non plus mon coup d'essai en paille porteuse, puisque du côté de Grenoble, à Fontaine, pour être précis, on avait fait un petit bâtiment à simple rez-de-chaussée, en paille porteuse aussi. Voilà, c'est la technique des TIPA, on progresse et à chaque fois, on ajoute une marche supplémentaire. Il y a Yannick qui voudrait dire un petit mot. Je ne sais pas s'il peut ouvrir son micro tout seul ou est-ce qu'il faut l'autoriser. Oui, c'est bon. Est-ce que vous m'entendez? On Oui. t'entend, Yannick. Ouais, Oui. donc je voulais juste rajouter une chose aussi par rapport à ce que dit Laurent, c'est qu'en plus de, enfin, au-delà l'aspect réglementaire, en tant qu'ingénieur, j'aime bien dire que j'aime bien dormir sur mes deux oreilles après. Et il faut voir que, et je suis à peu près persuadé que si la paille porteuse se développe, comme je l'espère, dans 30 ans, les gens qui viendront revoir ça diront, ah là, l'ingénieur, il a eu la main généreuse. Et c'est extrêmement important parce qu'il y a forcément, il y a un peu des inconnus. Et donc on a justifié auprès de Laurent Dandre, enfin auprès de l'APAV, que la paille marchait. Mais en fait, on sait très bien que donc là on a fait des essais en disant qu'il n'y a pas d'enduit. Mais en fait, on sait très bien aussi qu'on vient rajouter l'enduit par-dessus. Et donc on précomprime la paille pour pouvoir reprendre les charges maximum, comme a expliqué Laurent. Et après ça, on vient mettre un enduit par-dessus. Donc, quelque part, ça nous rajoute une sécurité. Parce que de manière expérimentale, on s'aperçoit tout le temps que dès qu'on ajoute l'enduit sur le mur, en fait, ça transforme le mur en espèce de sandwich et ça lui donne une force, une résistance, excusez-moi, qui est importante en plus de ce qu'on a calculé. Et pour être sûr de bien comprendre, quand vous dites avoir la main généreuse, vous faites référence à quoi? Peut-être à l'épaisseur qui a été mise en œuvre ou à la tension avec les sangles? Alors un peu tout, c'est que voilà, c'est quand en tant qu'ingénieur, je pense qu'il y a, alors même si c'est peut-être plus trop dans la tête des gens, enfin de tout le monde, mais il y a toujours une part d'incertitude. On n'est jamais sûr à 100% au niveau du matériau, ce qui va se passer à l'intérieur, et on ne peut pas dire. C'est pas comme si on était un scientifique qui mesurait quelque chose de manière extrêmement précise. Il y a tout un tas d'incertitudes. Et suivant la confiance qu'on a dans les choses, ben, on peut être un peu plus optimiste ou un peu plus pessimiste. Et donc, j'ai aucune honte à dire. Que dans ce contexte où il y a quand même des on est un retour d'expérience, même s'il y a plus de 150 ans qui est assez limité, ben on dit ben on se met un peu dans le pire des cas, dans tous les cas, quoi. C'est-à-dire que la force, on dit qu'il y en a un peu plus, les sangles, on les serre peut-être un peu plus que ce qu'on devrait. D'ailleurs, si vous voyez sur la photo en bas à droite, il y a quelqu'un avec un casque blanc et rouge. Je crois qu'il y a des moments, il m'a détesté parce que
Je lui ai demandé de... Je lui ai demandé encore. De comprimer encore et encore et encore parce que je voulais vraiment être sûr que ces sangles ne se détendent pas pendant la vie du bâtiment. C'est la marge de sécurité, en gros. Ouais, c'est la marge, mais c'est un... Disons qu'on est, on a un peu la culture, parce que maintenant, il faut voir que tout est très défini. C'est un rêve d'être un ingénieur en 2020 par rapport à être un ingénieur en 1960. Et, parce qu'on a, des textes qui nous expliquent plein de choses de manière très précise. Donc, on a une culture souvent de toujours faire les choses au plus juste. Et là, quelque part, c'est un peu comme si on était revenu en 1960 où ils n'étaient pas trop sûrs de comment ça marchait exactement le bois. Et voilà, et donc on voit les choses un peu larges. Et on peut faire le parallèle avec la tour Eiffel. Hein. La tour Eiffel, vous la recalculez aujourd'hui, vous mettez 5 ou 10 fois moins d'acier. Hein. Pardon ? Ouais. Et donc, juste pour revenir sur la conception du bâtiment, les murs ne reprennent pas de contreventement. Ça a été un gros point de la conception. L'intégrale, les planchers sont en diaphragme et font cheminer les efforts horizontaux vers la cage d'escalier qui, elle, assure le contreventement par l'intérieur. Donc, pour autant, on pourrait imaginer, moyennant de la recherche un petit peu plus approfondie, de faire participer les murs en paille porteuse, y compris avec l'enduit, parce que là, c'est l'enduit qui va bien jouer son rôle, de leur faire jouer une reprise de contrementement. Donc après, ça pose la question du sismique, j'ai vu qu'elle était posée dans le chat. C'est un petit peu la même chose, c'est pas rédhibitoire, mais les efforts de contreventement, les forces horizontales du fait du poids des murs sont un peu importantes, donc ça veut dire une réflexion poussée sur le cheminement des efforts horizontaux. À ce sujet, les efforts horizontaux, on peut noter les pics que vous voyez en haut à gauche de la diapositive, qui sont en gros des manches à balai, sur lesquelles sont empilées les bottes de paille. Là, on est sur la lisse inférieure, mais on a les mêmes entre chaque lit pour liaisonner les bottes entre elles et éviter le décalage des bottes. Tout à fait. Voilà. On peut noter aussi une attention très particulière qui est portée sur la protection en phase chantier de la mise en œuvre de la paille. Donc là, on a une protection à la pluie là, qu'on voit sur la photo en haut à droite. Et il est impératif, mais quel que soit le type de construction, hein, qu'on soit en construction paille porteuse ou règle professionnelle, de protéger l'ouvrage contre les intempéries. Et à plus forte raison, les ouvrages en paille porteuse, puisque autant en paille, construction paille règle professionnelle, on a la possibilité, et ça arrive, parce que on peut avoir des loupés de chantier, de changer les bottes, on appelle ça en tiroir, on en enlève une, deux, et puis on les remet en force. Là, quand on a un mur qui est précontraint, c'est absolument impossible, autrement que d'enlever la précontrainte, etc. Donc, il faut particulièrement faire attention aux venues d'eau en cours de chantier. Oui, tout à fait. Le chantier était intégralement bâché tous les jours. Enfin, c'était le point effectivement sensible, ne pas faire rentrer d'eau dans nos bottes de paille. Excusez-moi, juste, il y avait une demande de précision sur la slide précédente, si vous pouvez revenir, Charlotte. Eh bien, je peux revenir. Sur la photo en haut à droite, on voit que la structure est montée sous une protection. Est-ce la structure, la future toiture, ou est-ce simplement pour protéger? Non, c'était... On a monté des protections provisoires au fur et à mesure, selon les cas de figure. On voit sur la photo du dessous où on n'a pas effectivement de protection au-dessus, ça veut dire qu'à ce moment-là, on remettait des bâches sur l'ensemble du mur. Et puis à certains moments, pour faciliter le travail, l'entreprise a construit une petite structure provisoire, voilà, pour protéger le mur. On a travaillé en période très sèche, heureusement, mais ça n'empêche pas qu'il y a quand même eu quelques épisodes pluvieux. C'est une question que je me suis posée après coup, effectivement. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux trouver une solution soit avec carrément une grande structure qui protège tout le chantier tout le temps, soit effectivement arriver
mais ça dépend du mode constructif, à avoir une toiture assez rapidement et pouvoir travailler en dessous. Bon, pour la paille porteuse, c'est un peu compliqué. Ce qu'on peut voir sur la photo suivante, c'est donc la partie, les solives qui reposent sur le mur en paille proprement dite. Et tout le cœur du bâtiment, je réalise que je n'ai pas mis vraiment une coupe globale, mais tout le cœur du bâtiment, lui, était bien en structure, en ossature, enfin structure bois, en bois massif francilien. Et cette partie-là a avancé plus vite, on va dire, que la paille porteuse. Là, les solives sont posées, la compression n'est peut-être pas complètement atteinte, mais suffisamment pour pouvoir commencer à poser les solives. Et là, on est au R plus 1 et à faire le platelage de la toiture terrasse. Et on aperçoit les croix de Saint-André qui ouais. permettent le contreventement. Et donc, c'est le plancher qui joue le diaphragme. Là, on en a une croix dans le sens transversal, mais on a également des contreventements dans le sens longitudinal par l'intérieur. Là, c'était des petits cas particuliers, on va dire, où notre système de sangles n'était pas suffisant. Il y a des points qu'on s'est rendu compte sur le chantier, les angles notamment, qui sont plus difficiles à mettre en compression, d'où l'utilisation de big bags, de toutes sortes de choses qu'on a suspendues pour obtenir la compression nécessaire. Juste sur la slide précédente, ouais. On a aussi une problématique qui s'est posée et bon, qui a été simplement résolue, mais c'est l'appui des solives de plancher, puisque si on les appuie sur le parement intérieur, on a un excentrement qui se crée dans le mur, donc il a bien fallu assurer d'aller chercher le noyau central du mur pour reposer les solives. On avait aussi la problématique des cadres de menuiserie qui sont constitués de bois. Donc, on a un matériau d'un côté qui est souple, à savoir le mur paille, et d'un autre matériau qui cohabite, qui est dur, donc le bois. Les bois ont été découpés de telle manière qu'en tête, ils puissent supporter, enfin ne pas être mis en atteindre la jonction parfaitement vis-à-vis du tassement du mur. Donc y a un petit travail là aussi de calcul de charge, c'est un boulot d'ingénieur exactement. Je pense qu'on le voit sur cette image où effectivement au-dessus du pré-cadre qui va accueillir les menuiseries, il y a quelques épaisseurs de laine de bois et de métisse. Et c'est cette zone-là effectivement qui permet d'ajuster, on va dire, par rapport au mur en paille. De la même manière, à l'étage, donc sur les planchers, reviens sur la précédente. Là, ok. Voilà. On voit que les solives portent sur la droite, sur une structure bois qui elle est rigide, moyennant les flèches habituelles, et à gauche sur un mur. Donc, on a quand même un appui qui est différent à droite et à gauche. Donc, on a fait attention à ce que le sol en place puisse supporter cette différence de souplesse et de support. Notamment, qu'on ne se retrouve pas avec des jours sous les plinthes ou des choses comme ça. Alors, excuse-moi, on vous écoute avec grand plaisir, mais je vois l'heure qui défile. je pense qu'il reste pas mal. Il n'y a plus beaucoup d'images. Là, en fait, on le disait, la paille, elle ne fonctionne pas toute seule, mais la phase d'enduit arrive, on ne voit plus du tout la paille, sauf on garde un endroit témoin, la fameuse fenêtre de vérité. Alors là, on la voit en cours de préparation, maintenant, elle a son vitrage par flamme. Donc, il n'y a pas de zone, on va dire, accessible au feu dans le mur paille. Les enduits, Yannick nous disait qu'ils font quand même partie intégralement finalement de ce mur, ils fonctionnent avec la paille. Et puis bon, voilà, là on a quelques illustrations du bâtiment fini. De l'intérieur, on a du mal à savoir où est la paille, où elle ne l'est pas finalement. Pour les personnes, les utilisateurs, si je leur dis pas finalement, ils s'en rendent pas forcément compte.
Et puis bah, de l'extérieur, on voit que c'est un matériau, bah, voilà, les arêtes ne sont pas parfaitement nettes, la surface n'est pas complètement plane, mais c'est quelque chose qui ne nous pose aucun problème. Le bâtiment, on va dire, exprime quand même aussi son matériau, la façon dont il a été construit, et ça nous va bien. On voit sur les deux photos de façade le recoupement par des corniches. C'est important pour justement diminuer le ruissellement de l'eau de pluie sur la façade et donc prévenir du mouillage de la façade et de la paille. Une garde au sol, comme vous voyez, qui est importante. Oui, d'autant que le bâtiment est décollé du sol, on va dire, sur les façades nord, est et ouest. Et la façade sud que l'on voit dans l'image en bas à gauche, elle, est de plein pied avec le jardin et la connexion vers le reste du groupe scolaire. Donc les murs en paille font vraiment l'enveloppe protectrice du centre de loisirs sur les trois côtés les moins ensoleillés. Et puis la façade sud, elle, est complètement vitrée pour profiter des apports solaires avec la présence de brise soleil fixe quand même pour limiter les surchauffes en été. Il y a plein d'autres choses évidemment qu'on pourrait dire sur ce centre de loisirs, mais je crois qu'on va on va s'en venir aux questions sur la paille porteuse. Alors, si on les prend à rebours, là, j'ai une question sur le C plus D et les corniches. En l'occurrence, sur ce projet, donc on est en quatrième catégorie, plancher à moins de 8 mètres, type R et sans locaux à sommeil. Donc le C plus D n'était pas requis. Ouais. Mais on peut tout à fait imaginer de faire participer les corniches au C plus D. Ensuite, les menuiseries, bah oui, sont en bois. Oui, sont en bois, oui, tout à fait. Les enduits, alors c'est là que c'est intéressant. Tout ce qu'on a pu se raccrocher aux règles professionnelles, on l'a fait. Par exemple, le matériau paille respecte scrupuleusement toutes les dispositions de règles professionnelles et ouais. Les règles professionnelles Propaille décrivent la manière dont on réalise les enduits et donc on a tout à fait suivi ce protocole. Donc voilà, on essaye de minimiser les écarts aux règles Propaille. Donc enduit réalisé en trois passes, barbotine, corde d'enduit, finition. Tout à fait. Avec une différence entre l'intérieur et l'extérieur. À l'intérieur, on est en plâtre et terre, et à l'extérieur, un enduit chaud-sable, plus courant. Ensuite, on avait sélectionné le plâtre, notamment pour sa résistance au feu, si je ne dis pas de bêtises. Oui. D'ailleurs, c'était assez impressionnant quand on regarde les courbes de montée en température, puisque le plâtre, comme vous savez, en fait, relâche de l'eau liquide quand il est chauffé. Et donc, tout le temps que cette eau liquide s'évapore, on est plafonné à 100 degrés et tous les capteurs étaient plafonnés pendant X minutes à 100 degrés. Et c'est ensuite qu'une fois que toute l'eau est évaporée, que ça reprend la montée en température. Concernant les tassements différentiels, on en a parlé un petit peu, donc c'était le gros sujet du chantier avec, un, ça se calcule, et deux, c'est le choix de matériaux qui permettent justement une déformation minime, parce qu'on ne peut pas garantir qu'elle soit nulle. Yannick, vas-y. Pour les tassements différentiels, si tu veux venir une diapo en arrière, Charlotte. Je peux essayer. Oula, qu'est-ce que j'ai fait ? Dans l'autre. Ah, voilà. En fait, on voit... Ah non, une autre, excuse-moi. Encore ? Encore ou pas ? Encore. Voilà, celle-là. Voilà. En fait, pour les tassements différentiels, on se rend compte que si on calcule la pente, si on est super pessimiste, et qu'on se dit « ouais, ça va, ça c'est plus que ce que je veux ou moins que ce que je veux ». D'ailleurs, la réponse, en fait, c'était moins que ce qu'on voulait. Mais que je calcule la pente d'une solive, bah, si ma solive elle est suffisamment longue, la pente elle sera suffisamment petite pour que ce soit imperceptible. Et donc, on s'est débrouillé partout pour avoir, entre la partie dure de la structure et la partie molle de la structure, d'avoir un certain espace. Donc même si on se ratait un petit peu, ben, en fait
C'était de l'ordre de grandeur de la pente d'une solive qui a fléchi dans le DTU. C'était une question sur la résistance aux moisissures insectes. Ben là, on se conforme complètement aux règles professionnelles et il se trouve que les retours sont très favorables. La paille n'est pas un matériau comestible par les animaux, les rongeurs ou quoi. Si la paille n'est pas humidifiée démesurément, parce qu'elle supporte une humidification temporaire, mais on n'a pas de moisissures, de développement fongique ou quoi. Donc, c'est vraiment là-dessus, il n'y a pas de souci. Et en paille porteuse comme en paille règle pro, hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. Il y avait deux questions qui se rejoignent sur le lambda et la résistance thermique du matériau, donc paille, j'imagine. Tu veux répondre, Charlotte ? Ah, oh, j'ai pas révisé. Il me semble qu'on a un R de 8, Yannick. Peux-tu me sauver ou pas sur ce sujet-là? En fait, c'est mon collègue thermicien. Mathieu. Ah, Yannick, on vous entend faiblement. Ouais. C'est mon collègue thermicien, Mathieu Lebouris, oui, qui se préoccupait de ça, mais en gros, il nous a dit c'est bon. C'est plus pas, bon. Vous laissez l'ingénieur choisir l'épaisseur du mur. Moi, c'est pas un problème pour moi. Et je crois qu'effectivement, oui, c'est 8. Ouais. Alors, je vois sur la fiche faite par Ecopolis, le centre de ressources, ouais, qu'on est donc sur des murs de 80 cm avec ER. Vous avez un petit peu sous-estimé, donc ils annoncent 15, ce qui est absolument gigantesque. Bon, eh ben on va creuser pour vous dire si c'est entre 8 et 15, effectivement. Et puis le mur, c'est 80 cm de paille, mais 90 cm, voire 95, tout fini avec l'enduit. Donc, je redemanderai à M. Lebouris et on vous donnera l'information précise. Ensuite, il y a une réaction sur l'importance de l'équipe, une équipe où chaque maillon est moteur pour accepter une technique non courante. Et donc oui, c'est la source. C'est pour ça que on a travaillé tous ensemble sur l'opération. C'est-à-dire que tout le monde était allé dans le même sens, mais avec la préoccupation de faire un travail de qualité. Donc en fait, tout le monde a conscience qu'on est sur une technique innovante et que on est sous les feux de la rampe, on n'a pas le droit de se louper. Donc on va tout faire pour que ça marche. Et résultat, oui, on est sûrement surdimensionné, mais oui, ça marche. C'est ça. Quand en plus, pour accueillir des enfants, des jeunes enfants, il n'y a vraiment aucune marge d'erreur possible pour ça. Je vois qu'il y a une question, qui est l'architecte du projet? Je suis l'architecte du projet, mais c'est vraiment le cas où je ne me considère pas comme seule conceptrice du projet, parce que finalement, c'est vraiment l'échange avec Yannick, avec Mathieu, avec M. Pézeres, notre directeur. C'est vraiment le travail commun qui a fait le projet. Voilà. Et ce qui est un peu particulier, c'est qu'effectivement, la maîtrise d'œuvre est en interne, elle fait partie de la mairie. Et les usagers et la maîtrise d'ouvrage sont nos collègues. Donc aussi, on travaille en échange avec les équipes qui vont exploiter et gérer le bâtiment dans le temps. On travaille avec les équipes de l'éducation, les personnes qui travaillent donc maintenant dans le bâtiment. On a, dans le cadre de la construction de ce centre de loisirs, proposé une formation pédagogique aux animateurs. Donc voilà. On travaille pas seulement sur le thème de la construction, mais aussi de tout ce qui va se passer autour. Là, on a vu quelques photos avec des ouvriers. L'entreprise qui a mis en œuvre la paille, c'est pareil, on les avait sourcés bien avant. Ils nous ont accompagnés à la fois sur les pré-tests, à la fois sur le mur test au CERIB. Donc, dans tous les cas, en fait, tous les acteurs pour arriver à réaliser ce projet innovant, se contacte très en amont et on échange avec tout le monde pour s'assurer qu'effectivement ça va se passer sans anicroche jusqu'à la fin. Ensuite, il y avait des questions sur les sangles et l'enduit. Les sangles sont noyées dans l'enduit. Donc, il faut savoir qu'il y a deux types de sangles. Il y a des sangles de mise en compression.
qui sont des sangles à cliquer avec on l'a vu sur une photo, la mesure de la tension. Et puis ensuite, il y a des sangles qui vont maintenir la compression, qui elles sont réparties, les petites blanches là qu'on voit, qui oui, sont réparties de manière plus régulière. La tension, il n'y a pas de réponse parce qu'elle dépend de ce que supporte le mur. Comme on l'a dit, donc, un, le mur, deux, la toiture, les charges de neige, les charges, les surcharges d'exploitation. Et du coup, comme on est avec des solives, bah, ça va dépendre de l'écartement des portes, enfin, de la longueur des portes des solives. Donc, on ne peut pas répondre exactement, mais en tout cas, elles ne doivent, à chargement à bloc, jamais se détendre. C'est ça qui est important. On tend plus que ne supporte le mur. Voilà. Et ensuite, tout ça s'est noyé dans l'enduit et ça a bien fait l'objet des essais en résistance au feu. Tout à fait. Merci pour toutes les questions qui sont très précises. On se donne encore 10 minutes pour essayer de répondre au maximum. Alors... Cheminée, oui, c'est de la ventilation naturelle. Donc, Mathieu Le Bourris qui avait mis en point, enfin, mis en œuvre ouais, un système. Oui, conçu et puis mis en œuvre et on effectue le suivi aussi de cette installation-là. On est complètement en ventilation naturelle avec récupération de chaleur quand même pour ne pas refroidir notre bâtiment en le ventilant. Ce que je peux dire, c'est que sur la paille porteuse et sur la ventilation naturelle, on a une subvention de l'ADEME et donc on travaille, on va produire des rapports qui seront dans le domaine public. Donc tout ce dont on a parlé ce matin, ben Yannick travaille dessus en ce moment pour rassembler donc tout ce qu'on a fait et le diffuser. Et sur la ventilation naturelle, on fait le même travail. Donc, il faut être patient, mais vous aurez tous ces documents par écrit. On a une question sur la possibilité de réparation et de changer des bottes de paille. Donc, c'est compliqué, mais rien n'est impossible à qui s'en donne les moyens. Donc, on peut imaginer étayer les planchers, déposer les bottes de paille. Et les remplacer par un autre matériau porteur. Après, bon, il n'y a pas de raison. Normalement, il ne devrait pas avoir de sinistre sur la paille porteuse. Mais c'est intéressant de s'en soucier quand même. Et ça fait partie des éléments qu'on décrira dans le rapport de l'ADEME, justement. Comment on peut gérer les problèmes qui pourraient arriver dans le temps. Perméabilité à l'air, bah, ça a été fait... Je ne sais plus, il y avait eu un test, il me semble. On n'a pas réussi à faire le test dans le temps du chantier. On va en faire un après coup pour regarder quand même. Après, on a fait attention évidemment dans tout le temps du chantier, sur tous les points où on a facilement des fuites. Mais effectivement, on n'a pas parlé de ça, mais on avait un temps court et puis on n'a pas eu le temps de faire le test pendant le chantier. Je vois qu'il y a une petite question sur les débords de toit. Oui, je sais que ça paraît étonnant, mais en fait, la partie au-dessus de la corniche, la corniche la plus haute, n'est pas en paille porteuse. Alors, il y a de l'enduit pour être en continuité de matériaux. Mais donc, voilà, la mini-couvertine, effectivement, elle ne protège qu'une acrotère qui est d'un côté est enduite et de l'autre côté est habillée en bois brûlé fait maison. On va recruter des contrôleurs techniques à la PAV, là. C'est bien. Mais oui, question sur l'acoustique. Bah, compte tenu de, avec la loi de masse, compte tenu de l'épaisseur, il n'y a aucun souci. Oui, on n'était pas en zone face à l'aéroport 45 dB. Hein. Non, on a quand même des autoroutes qui passent pas loin, le RER, mais on n'entend rien quand on est dans le bâtiment. Comparé aux écoles qui sont juste à côté ou qui vivent chaque passage de train, là, ça n'a rien à voir. Au niveau du confort, les utilisateurs sont tout à fait satisfaits. Ensuite. Laurent Boiteux, que je salue au passage, qui repose une question qu'il a posée au tout début. Quand on n'a pas la chance de travailler avec Laurent Dandre, comment faire pour travailler avec des bureaux de contrôle et arriver à convaincre ceux qui seraient plus frileux, plus réticents?
J'avais un assureur qui m'avait dit un jour, l'assureur, il faut le rassurer. C'est Voilà. ça. Donc, après, on a tous des vécus et des convictions qui sont différentes. Mais après, il y en a plein d'autres que moi, hein, sur Ego. En tout cas, à la PAV, nous, on forme de plus en plus de collègues à apprécier, en tout cas, ces matériaux. Je pense. Ouais. Il Pour faut ces deux. prendre le temps de discuter avec les bureaux de contrôle en amont de ces projets, en fait. Il faut sentir, tâter le terrain. Je pense que ouais, c'est aussi important d'avoir une discussion d'ingénieur à ingénieur. C'est-à-dire, en tant qu'ingénieur, demander au contrôle technique que lui, son métier, c'est de trouver les risques, entre guillemets, on va dire. Enfin, c'est un peu un raccourci, mais on va dire ça. Et bien, lui dire, alors, qu'est-ce qui vous gêne? Et, à cause, et demander l'article du code de la construction et puis essayer pas à pas donner une explication pourquoi est-ce qu'on est en accord ou avec la réglementation. En tout cas, nous, ça fait bien sûr plusieurs années que cette question du rôle du bureau de contrôle nous est posée en tant que centre de ressources. On essaie de l'aborder de différentes manières et actuellement, nous travaillons à la finalisation d'un guide qui s'appellera Matériaux biosourcés et regard du contrôleur technique avec APAV, justement, qui vise à bien présenter en démarche projet comment intégrer au mieux cet acteur dans une logique plutôt de partenariat que dans une logique purement de contrôle. Donc il y a différentes clés pour y répondre et on espère que ce document voilà, pourra aussi convaincre les maîtres d'ouvrage de ne plus avoir cette crainte. Alors il y a encore pas mal de questions, on se donne encore quelques minutes. Sur le risque de fissuration de l'enduit au droit des sangles, Laurent. Les sangles sont quand même très très noyées, très loin sous l'enduit. Non, là, il n'y a pas d'inquiétude. Le risque de Ouais. fissuration pourrait apparaître plutôt au droit des bois. Donc, en général, on trame les enduits de manière très consciencieuse au droit des bois. Maintenant, au droit des sangles, elles sont à peine plus épaisses qu'un brin de paille. Hein, donc, C'est vrai qu'on n'a pas trop parlé de coût. Donc, il y a une question sur le coût de l'opération. Et je Ah, la voulais. question sur le coût. Oui, et moi je voulais y ajouter peut-être le coût plus précis aussi des essais et le calendrier aussi de ces essais pour pouvoir bien l'intégrer dans la démarche de projet. Alors, si je donne le calendrier d'abord un peu général du projet, la lettre de mission qui donnait le top départ de ce projet, c'était en septembre 2016. On a inauguré le bâtiment en février 2020. Et le jour du test, si je ne dis pas de bêtises, c'était en février 2019. Je pense qu'on a mis plus d'un an entre le moment où on a signé avec le CERIB et le jour où on a fait l'essai. Le test au CERIB, de mémoire, était dans les 20 000 euros. Ouais, je vous le dis comme ça, hein. Je ne cache rien. J'ai pas forcément tous les coûts d'achat de paille enfin, de l'entreprise qui est venue nous aider, ça je les ai pas sous la main. Le coût du bâtiment, alors ça c'est une question vraiment difficile entre guillemets qu'on me pose souvent. Je vais vous dire un coût et vous allez me dire c'est terriblement cher, mais en même temps c'est comme si vous me demandiez le coût d'un kilo de fraises alors que moi je vous propose des asperges. En fait. On n'est pas dans un bâtiment low cost. Il y a énormément d'innovations à tous les niveaux. Et les choix que nous avons faits, nous estimons qu'ils valent le prix que nous avons payé, entre guillemets. On travaille sur, comme je disais, donc pour la ville, ça fait partie des biens communs de la ville. Ce qui nous importe, c'est que ce bâtiment, il soit capable de faire face à tous les changements climatiques qu'il pourrait y avoir dans les années à venir et qui résiste aux grosses chaleurs comme aux gros froids.
On a beaucoup de solutions qui peuvent apparaître redondantes, par exemple au niveau du chauffage. Tout ça pour vous dire que une fois qu'on a le coût du bâtiment et nos subventions, on est dans les, attendez, que je ne dise pas de bêtises, dans les 2000 euros du mètre carré. Mais je vous l'annonce avec les subventions qui ont été nombreuses en fait. Oui, oui, mais est-ce qu'il y a le lot d'un projet extrêmement expérimental aussi ? Quelque part, voilà, vous assurez aussi un petit peu ses coûts hein, de recherche. Quand on pense uniquement à la ventilation double flux naturelle, c'est aussi extrêmement expérimental. On a du chauffage intersaisonnier, il y a beaucoup de choses. Ce qui nous importe, c'est de faire toutes ces recherches, nous, en tant qu'établissement public, et puis de les redonner à tout le monde pour que, pour d'autres personnes, il y a des étapes de recherche en moins et des applications plus rapides de ceux pour, effectivement, on investit, oui, d'une certaine manière, pour développer toutes ces techniques. Ouais, je parlais tout à l'heure d'avancer pas à pas. Là il y a un pas et puis une autre commune va faire autre chose, ce sera un autre pas et à force de pas on va développer ce type de construction et d'autres types de construction vertueux vis-à-vis de l'environnement et je pense que faut tous avancer dans le même sens quoi, sinon on n'y arrive jamais et puis c'est la cata. Oui, encore une ou deux petites questions pour la route. Une assez pointue, donc peut-être plus pour Yannick, sur les valeurs de pont thermique au niveau des planchers et des murs. Sur les valeurs de PC des ponts thermiques, je ne suis pas qualifié pour répondre. question piège ouais. Pour Yannick. Je ne sais pas. On pourra chercher. Hein, C'est mon collègue Mathieu Le Bourris qui s'occupait plus de ça. Après, on a au niveau du nez de dalle, on a fait attention. On a mis. Alors forcément, effectivement, il pourrait y avoir un problème là. Et donc, on a remis un bout d'isolant à l'extérieur, plus on a isolé entre les solives au-dessus du mur. Par contre, je vais donner le coefficient. La dernière fois que j'ai calculé un coefficient psi, c'était à l'école, il y a à peu près 25 ans. J'ai vu une question, effectivement, le bâtiment est appareillé. On a des sondes dans les murs en paille pour contrôler l'humidité à différents points en milieu de botte et juste derrière l'enduit de façade, enfin l'enduit extérieur. On a largement appareillé ce bâtiment parce que justement ça fait partie des rapports que nous devons rendre à l'ADEME sur les thèmes de la paille porteuse et de la ventilation naturelle. Et peut-être une. Oui, Laurent. Il y avait une question sur les entreprises. Donc, Rialan pour le bois et Apijbat pour la paille et les enduits. C'est bien ça, Charlotte ? Oui, c'est bien ça. Apijbat est une entreprise avec une vocation d'insertion également. C'est ça. Là, on fait effectivement des lots, on va dire, de superstructure. Avec des co-traitants, c'est-à-dire que dès le marché, les entreprises doivent parler aussi entre elles. On ne peut pas imaginer que le charpentier travaille de son côté et puis le pailleux de l'autre. Il faut que dès la préparation du chantier, tout le monde soit bien raccord sur ce qu'il va y avoir à faire. Une question sur le sismique, Laurent, on l'a rapidement évoqué, mais je ne crois pas qu'on a vraiment répondu. Est-ce qu'on pourrait imaginer que dans les 5 zones sismiques, ce soit possible de reproduire un tel. Oui, alors les zones les plus fortes, après, c'est des histoires de calcul, hein, d'accélération. J'avais essayé d'y répondre, je n'ai pas été clair. Le sismique, c'est une accélération fois la masse qui donne une force horizontale. Et donc, cette force, elle est un petit peu accrue par le fait que les murs sont lourds, hein, 80 cm de paille plus enduit. Ensuite, il faut étudier le cheminement des efforts jusqu'au sol. Donc, ça demande des bons planchers de diaphragme, des bonnes croix où il faut, etc. Pour moi, ça peut s'étudier. Si,
peux me permettre d'ajouter quelque chose là-dessus, c'est que donc le sismique, il y a l'aspect de la force, et il y a aussi l'aspect de la capacité à dissiper les efforts dans une structure. Alors, si vous me demandez là, de calculer au sisme de la paille porteuse, j'en suis strictement incapable. Par contre, intuitivement, j'aurais tendance à penser que ça marche très bien, parce que c'est évident que c'est assez idéal, plein de brins qui sont entrecroisés comme ça pour différer des efforts, enfin pour différer de dissiper de l'énergie. Enfin, moi, je pense que ça marche bien. Pour raconter une petite histoire que j'aime souvent raconter au niveau du séisme, ma femme est d'origine colombienne et à côté d'Arménia, dans la fin des années 90, il y a eu un séisme absolument terrible. Et mais dans les quartiers pauvres, ils avaient construit en bambou avec des diaphragmes en terre par-dessus. Dans les quartiers riches, ils avaient construit en béton armé. Voilà. Et bizarrement, il y a eu pratiquement pas de victimes dans les quartiers pauvres, parce que leurs enduits en terre avec du grillage à poudre à l'intérieur, ça marchait hyper bien pour dissiper la force du séisme. Donc il n'y a rien à voir même par rapport à ce qu'on a dans le sud de la France. Donc c'est très intuitif ce que je raconte là, mais je pense que si des gens se penchaient sur le problème et commençaient à l'étudier, il y aurait moyen de faire marcher. Et ça, il faudrait sans doute rajouter des choses dans l'anglais et tout, mais je pense qu'il y aurait moyen de faire. Merci pour cet éclairage, Yannick. Midi passé de 5 minutes, une dernière question, c'est vrai qu'on l'a un petit peu évoqué, mais est-ce qu'une ACV du bâtiment a été faite, réalisée sur ce projet? Alors, on avait participé à l'expérimentation E plus C moins. D'accord. Donc, il y a un calcul qui a été fait à ce moment-là, mais on était pendant la conception. Là, c'est pareil, c'est aussi Mathieu Le Bourris qui pilotait cet élément-là. On se dit, enfin, c'est vrai qu'on n'est pas forcément friand de calculs et de labels et de choses. On se dit que quand on va chercher les matériaux les plus proches de chez nous, les moins transformés, qu'on fait l'effort un peu sur autant de postes qu'on peut, que notre bâtiment, finalement, il est vertueux d'une certaine manière. On ne cherche pas toujours à faire des calculs pour se conforter ou pas. Merci. Mais il y avait une petite analyse plus c'est moins qui avait été faite. Donc ça, c'est un document qu'on pourrait partager aussi, pour ce qu'il vaut. OK. Bon, bah, à suivre. Alors, je vous propose d'en rester là. Il y a eu beaucoup de questions. J'espère qu'on a pu répondre quand même à la plupart. Merci aussi en participant d'avoir tenu jusqu'au bout. On a perdu très, très peu de gens. Donc, ça montre bien l'intérêt de ce type de projet. Un grand merci, donc, Laurent et Charlotte pour votre intervention. Et Yannick. Et Yannick, oui, pour les compléments, exact. Donc, c'était la première rencontre de ce cycle de webinaire. Un certain nombre d'entre vous sont inscrits pour le prochain, donc qui aura lieu le 30 avril. On va changer un petit peu de registre avec l'habitat coopératif de Chamarelle. Par ailleurs, en région PACA, nous avons aussi, en tant que centre de formation, plusieurs formations en lien avec ces thèmes, notamment la formation certifiante Construire en chambre, qui permet aux maîtres d'œuvre de pouvoir garantir la durabilité de leur bâtiment, donc en mai et juin, et une formation plus généraliste sur les matériaux biosourcés, donc n'hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus. Et donc ce webinaire sera disponible en replay prochainement sur notre chaîne YouTube, on vous informera de la mise en ligne dès que ça sera fait. Merci encore à tous, intervenants et participants pour vous. Les questions. Merci. Et merci beaucoup. Bon appétit. Merci, au revoir. Salut Jean-Charles aussi. Au revoir, merci. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.